Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage. Aujourd'hui j'ai ressorti mon livre de coloriage chinois et donc comme j'avais promis hier, avant-hier, voilà, parce que quand vous voyez la vidéo c'est déjà avant-hier, j'ai fait le coloriage donc pour essayer les crayons de la mallette de crayons de couleur Action, voilà, que j'ai acheté. Alors comme ça m'a permis de voir ce que ça donnait. Bon, ils vont très bien, ils glissent bien, j'arrive à faire de bons mélanges de couleurs avec. Alors, il y a un petit défaut. Le petit défaut, c'est que les mines sont fragiles. Et donc, même sans les tailler, j'avais des mines de cassé quand même. Donc, et en taillant, j'en ai qui se cassent quand même. Donc, les mines sont fragiles. Donc, je sens que je vais mettre, pour la mallette, je vais la mettre au congélateur. Enfin, hein, je ne peux pas la mettre au micro-ondes, puis au congélateur, mais enfin. Les crayons qui commencent à se casser, c'est ce que je vais faire. Hein. J'en avais déjà entendu parler et j'ai une de mes abonnées qui m'en a reparlé. Que quand ça arrive, quand vous avez un crayon que la mine casse souvent, le mettre quelques secondes au micro-ondes et après le mettre au congélateur. Et comme ça, après on peut le retailler, la mine ne recasse pas. Donc je pense que je vais réessayer de faire ça. Mais bon, c'est du action. Voilà, hein, c'est quand même une mallette qui ne coûte que 7,99 €. Donc bon, on ne peut pas avoir de miracle non plus avec. Mais sinon, niveau couleur, il n'y a aucun problème. Donc vous verrez avec ce coloriage que j'ai choisi de faire. Là, au niveau du montage de la vidéo, vous verrez qu'au début, je n'ai pas fait comme d'habitude de mettre tout de suite en vitesse rapide. Je vous ai laissé une petite partie en vitesse normale pour vous montrer ma technique pour faire les cheveux. Voilà. Donc je vous ai marqué même les couleurs que je prenais pour les faire. Donc pour faire les cheveux, j'utilise 6 couleurs. Et donc je vous ai marqué, bon. Pas tout en détail, mais je vous ai marqué en gros ce que j'avais utilisé donc pour ce dessin. Bon, à l'occasion, peut-être que je vous ferai un tuto pour les cheveux si jamais ça vous intéresse. Je ferai une vidéo spéciale juste pour les cheveux pour vous montrer comment je les fais. Voilà. Donc, on m'avait posé la question bah, quand j'ai présenté la mallette, s'il y avait un crayon pour faire la couleur chair, donc je confirme, il y en a bien un, il y en a même deux, hein, donc un plus foncé que l'autre, donc pour faire les ombrages, donc vous verrez le visage de mon personnage, j'ai très bien pu faire la couleur peau avec, j'ai pas eu de problème, donc voilà. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à ce coloriage et par rapport au crayon de couleur donc, que j'aurais utilisé, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire de me poser des questions. J'y répondrai très gentiment et je ferai tout mon possible pour répondre au mieux. Voilà. Là, je vais vous laisser visionner la vidéo, vous laisser découvrir ce coloriage que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Là, pour une fois, je l'ai fait entièrement en une seule fois. Donc, comme ça vous permet de le voir entièrement. Voilà. Et donc, j'en referai d'autres avec cette mallette, hein, bien sûr, parce que bon, je ne l'ai pas acheté que pour faire un seul coloriage. Mais je referai d'autres coloriages avec. Par la suite, je verrai ce que je ferai. Donc voilà, je vous laisse visionner donc cette vidéo et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et ah,
petite chose que j'allais oublier. Si vous n'avez pas été voir dans la communauté, il y a deux messages dans la communauté. Bon, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Vous verrez que j'ai fait un message pour vous annoncer que mon chouchou, donc mon mari, a ouvert sa chaîne YouTube. Donc, il y a l'adresse dans la communauté. N'hésitez pas à aller voir. Bon, c'est un grand timide, donc vous n'allez pas le voir ni parler dans ces vidéos. Mais bon, il y aura du coloriage et du diamond painting dans ces vidéos. Mais bon, pour l'instant, il ne veut pas parler, il ne veut pas se montrer. Mais bon, ça se comprend, hein. Mais qui sait? Un jour, peut-être, je réussirai à le faire parler. Mais bon, il a déjà voulu ouvrir une chaîne, donc on ne va pas le pousser, hein. Et j'ai fait un deuxième message, donc je l'ai mis hier, si je ne me trompe pas. Donc c'était jour J-9. Donc aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ce sera jour J-8. Il y aura une vidéo surprise. Voilà. Donc cette vidéo surprise sera en ligne, si tout va bien, le 1er février. Voilà. Allez, maintenant je vous laisse visionner tranquillement cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous. Bon visionnage.
Oh.